Après presque 5 années de détention préventive, nous avons fini par plaider ce matin le dossier de Bertrand Zibi. Nous avons plaidé essentiellement la relaxe pure et simple de notre client parce que nous pensons que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitués. Et nous avons donc plaidé la relaxe pure et simple et à titre principal et à titre subsidiaire, infiniment subsidiaire, nous avons plaidé que la peine qu'il a mise, qu'il a déjà passée en prison, que sa détention couvre la peine qu'il a passée en prison. Est-ce que ça veut dire que cette relaxe a été obtenue? Ah ben non, nous attendons le 21 février, le délibéré de la Cour. Pour l'instant, nous n'avons pas de décision. Le 22 février, la Cour va rendre sa décision et nous serons fixés. Est-ce qu'on peut revenir sur les charges qui pèsent sur votre client? Oui, il y avait 2 charges principales. Il y avait instigation aux violences et voies de fait d'une part, et d'autre part, il y avait la détention illégale d'armes à feu. Et comme nous l'avons montré, l'arme qui a été retrouvée chez Bertrand Zibi ne correspond pas à l'arme qui a été présentée ce matin à la Cour. D'autant plus que depuis le début, nous contestons les conditions dans lesquelles cette arme a été retrouvée au domicile de M. Zibi. Nous estimons que cette arme a été posée, a été déposée par quelqu'un et que Bertrand Zibi n'a jamais été détenteur d'une arme à feu. S'agissant maintenant de la deuxième incrimination, c'est-à-dire instigation aux violences et voies de fait, instigation aux coups et blessures, et voix de coups et blessures volontaires, pardon, je suis fatigué. Mais cela suppose que Bertrand Zibi ait donné des instructions, des recommandations, des ordres à ceux qui ont violenté Kémé Biel. Or, tout au long de la procédure, et nous l'avons encore eu ce matin dans les PV, toutes les personnes, les auteurs, ont mis Bertrand Zibi hors de cause. À partir de ce moment, il n'y a aucun lien entre les acteurs, entre les auteurs, n'est-ce pas, et Bertrand Zibi. Et par conséquent, Bertrand Zibi doit être là aussi relaxé de ce chef d'accusation. À ce moment-là, on peut penser qu'il arrête d'être le présumé planificateur de violences post-électorales. Mais écoutez, c'est ce que nous avons démontré à la Cour. Et nous attendons le 22 février pour que la Cour, enfin, rende le droit.